Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette du cake aux fruits secs. J'espère que cette recette vous plaira. Azul flawen, marhaba yeswen ala chane wa aslaman wen iwid glan, marhaba yeswen iwid dianan djdiden. Nakni dni rasa gad nkhdem agatron la zvive dia sajouj. Voilà les fruits secs, c'est la marque la recette rouni tajfen qimouthidi. Là, j'ai des noix, à peu près 100 grammes. Et là, j'ai trempé les raisins secs dans l'eau. Comme ça, ça gonfle. De guinir, rire. Zvivino, d'achle poemen, et hmen, bachir, divziekner, dégonfler. Serre, à peu près 100 grammes. Serre, 100 grammes pois jauge, l'arnir. Serre, la vanille. Les pépites de chocolat. De guinir, ou d'arnir, les pépites de chocolat. Je trouve la vanille. Là, je prends une assiette, je mets le papier absorbant, je verse mes raisins, voilà, pour enlever l'eau. Voilà, on appuie un petit peu pour enlever l'eau. Le gars de rasque sera isvivé gamin quand il sera se la sort déjà dans le poêle. Voilà, comme il est allé, mais ce sera comme les hamen en lien. Voilà. J'ai 4 œufs, 40 ml, une farine, un square. Là, je prends mon saladier. Je casse mes œufs. Je vais faire un saladier. Je vais faire 6 ml de l'eau. Je vais faire 40 ml. Voilà, c'est un saladier de l'eau. Là, je prends un verre. Mon verre il prend 200 grammes. Voilà, je prends 3 quarts. Comme vous voyez, 3 quarts de sucre. Voilà, vous le laissez à peu près 2 doigts. Voilà, je vais faire un jelly. Nous avons 100 grammes. Nous avons 3 quarts. Voilà, un de jarva. Voilà, à peu près, tu as même signé d'audin. Tu as même fait le cas de l'huile de squat et de jump signé d'audin. Je mélange les œufs et le sucre. De gâteau, il y a la ligne noire à coup de squat. Il a qu'à terre, il y a la même si squat n'est pas. Et là, je rajoute 3 quarts d'huile. Voilà, le verre. Il faut enlever 2 doigts. De gagner un salmour 3 quarts qui n'est de nernezit, le casse-nil on a de taoué 100 grammes, la 100 millilitres liquide, et ce que c'est une semi-douzaine d'achlouf en gelni. Voilà, et ce mire m'taille d'achol, y a taoué, bêche à y mélanger couluche, et qui est toile, je mélange le tout. La vidéo est guinou, c'était un live sur Facebook, voilà c'est pour ça. Pareil, je prends 3 quarts de lait, voilà. Il faut enlever toujours 2 doigts. La garnira c'est 3 quarts ouifkir, toujours, afin de tenir toujours la même mesure. Ouifkir, c'est toujours signé d'audin. Et c'est le même coulé, je mélange le tout. Là, je rajoute la vanille. Je vais mettre la vanille qui est installée. Là, je rajoute mes raisins secs. Je vais mettre la vanille qui est installée.
ça, c'est quoi maintenant? Voilà, j'ai déjà à peu près 100 grammes. J'ai déjà à peu près 50 grammes. J'ai déjà des pépites au chocolat. Je rajoute les pépites au chocolat, équivalent de 2 cuillères à soupe de pépites de chocolat. Et là, je rajoute la farine. Je vais faire la farine. Je vais faire les mesures. Voilà, là en premier, je mets un verre. Je vais faire la caisse un zouero. Et d'ailleurs, la caisse aussi. Je prépare un deuxième verre de farine. Là, je vais casser mes noix en petits morceaux. Je vais dire que je vais dire je rajoute mes noix dans la pâte. Je mélange le tout. Si vous voulez rajouter les pommes, c'est comme vous voulez. Là, je rajoute mon deuxième verre de farine. La levure. Je rajoute la levure. Pour moi, j'ai 2 sachets. Voilà, c'est la levure chimique. Et c'est une couleuche. Là, j'ai allumé le four à 180 degrés, entre 170 et 80. Là, j'ai allumé le four à 170 à 180 degrés. Pour qu'il n'y ait pas. Voilà, là je rajoute un peu. Voilà, à peu près la moitié. Je mélange. Là j'ai rajouté la moitié d'un verre. Voilà. Alors ça m'a pris 2 verres et demi de farine. Et puis il y a aussi la farine. Voilà, la texture elle doit être comme ça. Il a fait une petite fois la pâte pour la ou le zoul. Voilà, qui est tout. Là, je prends mon moule, comme vous voyez, je vais faire des moulinots. Je bats déjà mon moule avec le beurre ou sinon un peu d'huile plus la farine. Comme ça, à la cuisson, il ne colle pas. Je vais faire le moulinot, ce sera de mar ou bien. Là, quand même, c'est ce que je vais faire de la farine ou comme une petite santadara. Ensuite, je rajoute un peu de farine. Je vais mettre de la farine. Et je vais pour faire des moules et faire des moules. Je verse ma pâte dans le moule, comme vous voyez, et je le place au four. Et je le laisse cuire à peu près 25 à 35 minutes. Ça dépend de vos fours, il faut le surveiller. Je vais vous donner un petit peu de temps pour que vous puissiez vous faire un petit peu de temps.
à peu près 25-35 دقائق ça dépend le four كنت عسمت Voilà, 35 minutes après, le gâteau est cuit. Là, je le décore avec du caramel et les amandes effilées. On va dire que c'est le fin de kayak. Et je dirais le four et poids. C'est la glisse. Et que je vais me décorer grâce au caramel. On va souffler les amandes effilées. Non, mon sang, c'est là comme ça, la confiture. Comme ça, c'est le cacao. Noix de coco. La décoration, je vous laisse le choix. Voilà, vous décorez à votre façon. Voilà le résultat final. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche, de liker, de partager ma vidéo et de me laisser un petit commentaire. À très vite sur ma chaîne. Mettez-vous de la vidéo qui vous souhaitera le like, le partage, d'une fille et d'un commentaire. مادن كيني أكون تدينيغ جو كنت ذي لهنة تلويث ألا فيديو نظان ما يبغى وحنين سان ميرث جو لاس ركاردي لا سويت